Messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Au Gros Plan. Comme j'ai pour habitude de vous le souligner, cette émission se concentre uniquement sur le genre cinématographique. Concernant ce deuxième numéro, l'accent sera mis sur un type ou un modèle de film où le mot répit est banni du dictionnaire. Course-poursuite, fusillade et affrontement à vous couper le souffle. Dans cet univers cinématographique, il s'agit toujours d'un héros, d'une héroïne ou d'un groupe d'individus projetés dans un univers hostile. Mais finalement, après 2 heures de projection, tout finit par rentrer dans l'ordre. Vous l'aurez compris, il s'agit de films d'action. L'émission Gros Plan va donc essayer de vous apporter quelques éléments de réponse concernant la thématique en question, et ce, en présence de nos invités du jour. Nous avons donc le plaisir d'accueillir au sein de cette salle mythique, la salle Atlas, Al-Hadi Bouabdallah, producteur Mediacorp, Kabas Amin, premier assistant réalisateur, et Hamoudi Lagoun, directeur de la photographie. Alors ce que je vous propose, c'est de rejoindre nos invités. Al-Hadi Bouabdallah, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors selon vous, en tant que producteur, pourquoi nous avons du mal à développer ce genre de film? Je parle des films d'action, bien sûr. La dernière tentative fut celle de Zakaria Ramdan en ce qui concerne le film Les Portes du Soleil. Merci Nabil pour l'invitation. Et d'ailleurs, je tiens à remercier votre assistant Erdouane qui m'a contacté pour que je puisse participer à l'émission. Alors, pour les films d'action, est-ce qu'on parle de films algériens qu'on développe en Algérie ou de films étrangers d'action qui viendraient se faire en Algérie? Parce qu'il y a une différence. Pour les films étrangers, comme ça se fait dans nos pays voisins, ça pourrait se faire. Aujourd'hui, ça pourrait se faire. On a les décors qu'il faut, on a les équipes qu'il faut, on a les équipements, on a les infrastructures. Donc c'est vraiment quelque chose que nous devrions encourager. En tout cas, les autorités devraient encourager et permettre que, économiquement, des producteurs de films étrangers aient envie de venir produire en Algérie. Après, pour des films d'action algériens, c'est une autre problématique. Je vais vous répondre en tant que producteur. Il y a une problématique de rentabilité, évidemment. Quand on produit un film, on a envie, évidemment, de pouvoir générer des revenus. Et aujourd'hui, les films, que ce soit les films d'action, bon, les films d'action, on en parle aujourd'hui, c'est le thème de l'émission, parce que c'est des films, en plus des autres, d'autres films de long métrage, c'est des films à gros budget, avec des effets spéciaux, avec de gros acteurs, avec de la cascade, avec il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place, donc c'est des films qui coûtent cher. Et pour rentabiliser ce genre de film-là en Algérie, c'est très difficile. Par manque de salles de cinéma ouvertes, peut-être un marché avec les chaînes de télé qui n'est pas aujourd'hui, qui ne permet pas malheureusement aujourd'hui de pouvoir produire ce genre de film-là. Voilà, pour moi ce serait plutôt c'est des raisons économiques qui empêchent le fait qu'on ait envie de faire des films d'action algériens, pour le marché algérien. Le film d'action, est-ce uniquement une histoire de gros bras? Je pense pas, non. Le film d'action, c'est aussi une histoire de scénario. Alors évidemment, à l'époque, je pense qu'à chaque période, il y a eu des stéréotypes de héros de films d'action. Effectivement, Schwarzenegger et Bruce Willis, même si Bruce Willis n'avait pas de très gros bras, mais bon, on va dire qu'il était cascadeur. Il n'y a pas que ça, il faut tout ce qui va avec, les cascades, les fusillades, les courses-poursuites, il y a tout ça qui fait que c'est un film d'action. Et en règle générale, à la fin, il y a le méchant qui meurt aussi. Ça, c'est un ingrédient qu'on rate pas. Et puis, si on regarde les films un peu plus récents, les films d'action un peu plus récents, on a des acteurs comme Brad Pitt ou bien Matt Damon qui ne sont pas spécialement des... Comme Harrison Ford à l'époque aussi. Aussi, qui ne sont pas des personnages tout en muscles. Musclés, voilà, mais qui font, bon, évidemment, qui font des arts martiaux ou des choses comme ça, mais c'est pas que ça, je ne pense pas que ce soit que les gros bras. Selon Al-Hadi Bouabdallah, qu'est-ce un bon film d'action? Quels sont les ingrédients nécessaires pour faire un bon film d'action? Bon, je pense qu'un bon film tout court, c'est d'abord créer chez le spectateur des émotions, que ce soit du stress, de la panique, de la surprise et tout ça. C'est d'abord créer de l'émotion, que ce soit un film d'action ou un autre film. Et un film d'action, il doit créer ça chez le spectateur. Après, il y a d'autres éléments. Bien sûr, il y a la musique, les images, les effets spéciaux.
C'est très important pour un film d'action. Si on considère que les derniers films qui ont été faits par Marvel, par exemple, qu'on peut considérer comme des films d'action, mais aussi des films peut-être de science-fiction, mais avec beaucoup d'action, les effets spéciaux, les décors, les costumes, et tout ça fait que c'est important et qu'on se retrouve dans des films qui font rêver, qui font aspirer à des choses comme ça, un peu du futur, et tout ça c'est des ingrédients très importants. On a du mal à délimiter le genre en question. Aujourd'hui, bien sûr, ça se ressemble beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'on met de plus en plus d'ingrédients. Vous regardez dans les derniers James Bond. Exactement. Y a beaucoup d'action, mais on met de plus en plus de romance. Donc je pense qu'aujourd'hui, les genres se mélangent un petit peu pour qu'on arrive à attirer un plus large public. Là aussi, ça dépend du réalisateur qui est derrière les James Bond. Lorsque vous avez un Sam Mendes, en ce qui concerne Skyfall, c'est vrai, il y a une histoire qui tient, voilà, ça c'est clair. Alors, peut-on vous voir un jour produire un film d'action ? Je vais reprendre les éléments de réponse de ma première question. En tant que producteur, si le film d'action devient rentable en Algérie, pourquoi pas ? Ou alors, pareil, s'il devait y avoir de la coproduction avec des producteurs étrangers, pourquoi pas ? D'ailleurs, il y a un réel engouement en ce qui concerne les films d'action. Lorsqu'on rentre dans une vidéothèque, le premier film qu'on demande, quel est le dernier film d'action ? Je me rappelle, les gens, quand ils rentraient avant dans une vidéothèque, c'était « Est-ce que vous avez le dernier film de Chuck Norris ? Est-ce que vous avez le dernier film de Van Damme ?» Bon, c'est vrai, c'est les séries B, mais bon, ce qu'il y avait avant, voilà. Donc, il y a un réel engouement pour les films d'action. Moi, le premier, je demandais quels étaient les derniers films d'action qui étaient là. Ouais. Mais encore une fois, bien sûr, les Algériens sont friands de films d'action, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il faut, en tant que producteur, il faut qu'un film puisse être rentable. Est-ce qu'il serait rentable en DVD ? On connaît la problématique de piratage, etc. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai marché, peut-être de la télévision. Aujourd'hui, malheureusement, il manque trop de cinéma et la télévision, le NTV en l'occurrence, peut être un vrai acteur dans la relance de la production cinématographique et éventuellement. Je sais qu'ils se sont, le NTV s'est déjà impliqué dans des coproductions de longs métrages. Pourquoi pas ? Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait imaginer, il y a aussi un nouveau marché, on voit Netflix. Exact. Les plateformes, là on parle des plateformes. Exactement. D'ailleurs que des opérateurs algériens sont aussi en train de lancer. Pourquoi pas aussi ? Ça peut être une nouvelle source de revenus qui permettrait de rendre rentable des films. Et à ce moment-là, effectivement, on pourrait s'intéresser à la production de films d'action en Algérie. Monsieur Lagoun, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, afin de créer une atmosphère décrite par un scénario de film d'action, je suppose que l'éclairage doit être particulier. Oui, complètement, parce que c'est un genre à part entière, le film d'action, donc ça répond à des codes, tant sur le scénario que sur le décor, mais aussi sur la lumière. Donc il faut vraiment essayer de travailler une ambiance spécifique au genre. Quel type de lumière ? Je dirais qu'il faudrait que ça soit une lumière un peu contrastée, qui ne dévoile pas tout ce qu'on devrait voir, intrigante. Il y a plein de petites astuces qui permettent de créer un petit peu ce contraste qu'on retrouve souvent dans les films d'action. Un exemple, à titre d'exemple ? Un exemple, moi j'ai une séquence que j'ai éclairée dans un film qui précède un meurtre et on plonge le spectateur, il y a une descente d'escalier qui est très sombre et à un moment donné on rentre dans une salle de bain qui est très éclairée, donc on instaure une sorte de confort. Alors qu'auparavant, on venait de camper un petit peu sur cette atmosphère un peu dark. Et dès qu'on a le réconfort, le crime se passe en plein jour. Donc c'est une astuce qui a permis de donner une sorte d'intensité à la scène. Selon vous, quels sont les ingrédients nécessaires pour faire un bon film d'action ? Moi, je dirais qu'il faut déjà une base, un bon scénario et une bonne intrigue. Le genre, le film d'action, c'est un genre qui doit s'enchaîner d'une façon assez rapide et qui doit répondre aussi à une codification scénaristique. Donc il y a des rebondissements, il y a des personnages qui vont aider, des personnages qui vont freiner, il y a une sorte de tension qui est un peu soutenue, qui va monter crescendo, qui va arriver jusqu'au point culminant. Et bien sûr, il faudrait qu'on arrive à une fin un peu tragique. Ça,
Souvent, c'est le cas. La fin tragique, ou sinon, c'est une fin heureuse. Parce que généralement, dans les bons films, entre guillemets, films oui. d'action des années 80, tous ces films, Bruce Willis, Die Hard, Schwarzenegger et tout, bon, on connaît la fin, même si on ne se doute pas, mais on voit toujours la fin, c'est le héros qui gagne toujours et tout ça. Oui, quoi. Oui. Ouais. Selon vous, maintenant, en tant que directeur de la photographie, qu'est-ce qu'un bon film d'action ? Pour moi, un bon film d'action, c'est un film qui va vous tenir en haleine pendant 1h30 à peu près, et dans lequel il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'actions entre des cascades, plein d'effets spéciaux aussi, et beaucoup de personnages qui rentrent, qui viennent pimenter un petit peu le récit. C'est ça pour moi un film d'action. Je vais le couper. Eh ben voilà, c'est fait. Roger ? Ouais. Attrape le chat ! J'attrape le chat ! Faut te prendre ici ! Attention ! Quel est le dernier bon film d'action que vous avez vu ? Un des derniers, moi je regarde beaucoup d'anciens films, un des derniers que j'ai revu c'est Point Blank de John Borman avec Lee Marvin, je trouve assez bon, et French Connection de William Friedkin. Pour moi c'est des films d'action par excellence. Là je parle aux techniciens, aux directeurs de la photographie. Pourquoi ce genre n'est pas exploité en Algérie ? Ce genre demande beaucoup de... demande un découpage technique très effréné. Il faut beaucoup de plans. Qui dit beaucoup de plans, beaucoup de moyens. Et demande aussi beaucoup de décors, des changements de décors. Et un savoir-faire aussi. Quand on coordonne des cascades, ou si on veut faire des explosions, si on veut faire des impacts de balles, ou tout ce type d'artifices prennent du temps, coûtent de l'argent. Et on a un manque un petit peu de techniciens. Bon, il y en a qui commencent à faire, que ce soit des effets spéciaux, maquillage, des blessures et tout ça. D'ailleurs, il y a eu un film, ce que j'avais dit tout à l'heure au producteur Ladi Bouabdallah, le film de Zakaria Ramdan, Les Portes du Soleil. C'était l'une des rares tentatives concernant le genre en question, le film d'action. Oui, et ce film a eu, je me rappelle, beaucoup d'engouement. Les gens se sont déplacés pour le voir. Donc c'est la preuve qu'il y a une demande, que les Algériens souhaiteraient voir des films d'action algériens. Film dangereux. Pour les coups, j'ai fait un coup qui les réserve. Monsieur Kabassamine, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à vous dans cette émission, l'émission Gros Plan. Alors, comment s'organise cette chorégraphie, cette succession de plans ? Est-ce qu'il y a un rythme particulier pour les films d'action ? Alors, moi je dirais qu'il y a un rythme particulier pour les films d'action en montage, mais en tournage, je pense qu'il y a, il y a un plan de travail, il y a un découpage qui doit être très très précis. Pour pouvoir tourner ce que veut le réalisateur et les actions donc, pour les faire. Et donc pour les tourner, très souvent, donc, pour tourner des scènes d'action, il nous faut des collaborateurs externes qui peuvent nous aider donc, à régler donc, certains plans qui peuvent, on va dire, des plans, comment dire, parler des cascadeurs. Voilà, des cascadeurs, donc des drivers, des gens qui savent conduire des voitures à des vitesses pas possibles. Donc nous, moi ce que je peux faire en tant que premier assistant réalisateur, c'est d'étudier la possibilité de faire telle scène. Parfois, une seule séquence peut être faite en 12, 13, 14 plans. Et du coup, il faut vraiment étudier plan par plan. Le temps de tournage, le nombre de collaborateurs, et si ça peut aussi se tourner en un jour ou en deux jours. Parce que moi en tant que premier assistant réal, c'est-à-dire tout ce que je pourrais dire doit aussi impacter sur la production, exact. Et du coup sur le nombre de jours de tournage. Exact. Donc il faut faire des essais, il ne faut pas se rater, il faut avoir des collaborateurs qui puissent assurer qu'ils peuvent faire donc, la scène en particulier.
Très souvent, c'est très très délicat parce qu'on a toujours la peur de se rater. On sent une expérience là, il y a de l'expérience là. Parlez-moi un petit peu de cette expérience. Est-ce que c'est concernant le film Baboulé là, il y a quelques scènes d'action, c'est ça? Alors, moi j'ai tourné dans pas mal de films qui sont un peu différents. Il y avait parfois des petites séquences. Donc sur le dernier film justement, donc Un Boulay là, donc on avait une séquence, deux séquences. Je vais pas en dire, je vais juste expliquer un peu, très particulière. Sans rien dévoiler, allez-y. Voilà, sans rien dévoiler, mais où il y avait plusieurs choses qui se passaient dans une même séquence, c'est-à-dire plusieurs protagonistes, beaucoup d'action. Et la particularité de cette scène, c'est que le réalisateur voulait tourner en plan séquence. C'est-à-dire faire toutes les actions en un seul plan. Ah, ouais, c'est du Sam Mendes là. Exactement. Donc ce qui fait, c'est que tout doit être chronométré à la virgule près. Et quand on a, on va dire, 5, 6 comédiens, 2, 3 voitures, aussi un revolver ou deux, ou non, plusieurs plutôt, et des blessures, du coup, pour faire tout ça en un seul plan, d'accord, c'est très très difficile. Donc on a fait appel, bon ça c'est vraiment, ça a fait 2 ans qu'on a tourné ça. Donc vraiment, avant déjà de préparer cette scène, on a dû faire des essais avec les gens de l'équipe, les assistantes. On sent bien un travail en amont qui est gigantesque. Exactement. On a pris, 3 à 4 jours pour faire une seule journée de tournage. Et je dirais même non plus. On va dire, on a pris, en tout et pour tout, on a pris 8 jours. Wow. Entre les entraînements des comédiens qu'il fallait superviser, entre les bons repérages, le bon déroulement de la séquence, c'est-à-dire la voiture qui va, qui revient et tout, le temps que le personnage aille d'un point A à d'un point B. Donc c'était très très compliqué. Mais parce que c'était en plan séquence, donc on ne peut pas se rater. Engouement pour les films d'action. Alors, qu'est-ce qu'un bon film d'action pour Kabassami? Alors, pour moi, un bon film d'action, c'est un film qui me tient en haleine et qui me fait monter l'adrénaline. De la première minute jusqu'à la dernière minute. Au-delà de l'histoire, parfois, la majorité des films d'action, enfin, je ne sais pas si on peut parler des films d'aujourd'hui ou ceux d'avant, mais je dirais qu'il y a toujours. Il y en a qui sont bien traités, c'est-à-dire vraiment l'histoire, elle tient bon et tout, mais parfois, au fait, l'histoire ne nous intéresse plus parce qu'on n'est que dans l'action. Je prends l'exemple de Rambo, par exemple. Où... Lorsqu'on n'arrive pas à s'identifier au personnage, on a du mal à suivre le film ou à accepter ou avoir un engouement concernant ce genre de film. Ce que je voulais dire, en gros, c'est pas seulement une histoire de gros bras. Parce que vous avez des films de Schwarzenegger et de Stallone, plus ou moins de Bruce Willis, mais vous avez aussi des films d'action avec Harrison Ford et tout ça. Là, on suit, tu as le personnage, la vulnérabilité du personnage, et on est accroché à l'histoire. Oui, effectivement, parfois, il y a aussi ce genre de film d'action où on suit vraiment, on est vraiment avec le héros principal, et je citerai comme film de référence, moi je dirais que un des meilleurs films d'action pour moi, c'est Die Hard. Moi, je pense vraiment que ce film, il y a l'histoire, et il y a les actions qu'il faut. Je pense qu'on n'aura plus comme ça. C'était quelque chose de, on va dire, de bien construit, de bien pensé au tout début, parce que je pense qu'il arrivait au moment où beaucoup de gens ont déjà essayé auparavant de faire des films sans pourtant accorder trop d'importance à l'histoire. Et il est venu avec ce film et il a mis tout le monde. Pour reprendre l'expression d'Alfred Hitchcock, qui est une règle de base généralement pour les scénaristes, meilleur est le méchant, meilleur est le film. C'est-à-dire avoir le bon antagoniste. Est-ce là la clé d'un bon film d'action? Parce que je suis sûr que vous êtes un adepte de ce genre de film, les films de John Woo. Oui. Le film avec John Travolta et Nicolas Cage. Oui, Nicolas Cage. C'était Volte-face. Volte-face. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formule Oui, obligatoirement. Parce qu'au fait, très souvent, on va dire, l'antagoniste, il ressemble parfois
il a des liens avec le héros principal. C'est comme si c'était son double. C'est-à-dire que nous, en tant qu'être humain, on a toujours notre part d'ange, notre part de diable. Dans tous les films d'action, ils utilisent ce concept-là. C'est-à-dire qu'il nous fait accepter quelqu'un de gentil, dans lequel on peut s'identifier. Mais l'ennemi, parfois, très souvent, on le comprend. Et c'est pour ça qu'on aime suivre pour juste voir est-ce qu'il va arriver à son but, est-ce qu'il va arriver à le tuer ou à le déstabiliser ou pas. Et si moi j'ai un exemple aussi par rapport à cette forme de héros et d'antagoniste, c'est pas un film d'action, mais c'est un film où il y a beaucoup d'action. Une ou deux ou trois scènes d'action très très fortes, c'est Heat de Michael Mann. Ah non. Grande fusillade, c'est la plus grande fusillade tournée dans l'histoire du cinéma jusqu'à l'heure. Et braquage aussi, il y a des braquages, des courses-poursuites, et donc une des plus grandes scènes de fusillade, je pense que tout... Moi, j'en rêve de tourner une scène comme ça ici, en Algérie. C'est une scène culte. Et pour moi, l'antagoniste qui était Robert De Niro, bon, il a choisi deux acteurs magnifiques, mais l'antagoniste qui est Robert De Niro, je sais pas pourquoi, mais... On s'attache au personnage. Moi, je me suis beaucoup attaché à ce personnage parce que je le comprenais. Je comprenais ce gars-là qui voulait en finir avec toute cette vie de cavale et qui voulait juste faire un dernier coup et arrêter. On a tous parfois dans la vie, à un moment donné, on se dit « Oui, cette fois-ci, j'arrête. Ouais. » C'est bon. Donc, j'espère qu'il ne s'agit pas de braquage. Non, il ne s'agit pas de braquage. Ben alors, qu'est-ce que pour Kabassami, là aussi, les ingrédients nécessaires pour tourner ou développer un film d'action ? Anna, pour moi, c'est au-delà de l'histoire, parce qu'il faut qu'il y ait une histoire, premièrement. Deuxième des choses, c'est les moyens. C'est les moyens et les collaborateurs qu'il faut. Les moyens parce qu'un film d'action peut vraiment coûter très très cher. C'est-à-dire quand Fast and Furious, si on balance des voitures comme ça en l'air, c'est beaucoup d'argent à la production. Et puis aussi, faire par exemple un film où il y a des combats, il y a des trucs, donc il faut avoir le temps pour préparer les comédiens, beaucoup de collaborateurs qui ont déjà fait. Je ne sais pas si je peux faire un parallèle en Algérie, mais en Algérie, on n'a pas parfois assez de gens qui sont formés pour. Du coup, ça nous handicape. Donc très souvent, on va ramener des gens de l'extérieur qui ont plus d'expérience et ça coûte de l'argent. Du coup, pour moi, c'est les seuls... Et puis, il y a un problème aussi de logistique. Parce que pour faire des films d'action, je reviens toujours à des questions de braquage ou à des courses-poursuites, il faut pouvoir bloquer une ville. Je prends l'exemple de Mission Impossible, un des derniers, je crois, qui était tourné au Maroc. Je sais qu'ils ont bloqué, je crois, toute l'autoroute pour qu'ils puissent tourner cette séquence de course-poursuite de Tom Cruise. Et aujourd'hui, donc voilà, pour bloquer une route, c'est beaucoup de moyens, c'est avoir beaucoup de logistique et avoir une production qui peut faire ça. Voilà, pour moi, il s'agit surtout de ça. Je pense que vous avez commencé à répondre à la question, mais je vais vous la poser quand même. Pourquoi a-t-on du mal à réaliser ce genre de film en Algérie ? Pour moi, c'est une question de moyens avant tout. Je pense que les scénarios existent. Alors là, les histoires, ils sont là. On a un pays très très riche qui a vécu, on va dire, plusieurs histoires depuis, on va dire, Baba Arroj ou Raïs Hamidou, où il y a toujours eu des batailles, des guerres, plein de choses. Et je pense qu'il y a vraiment matière à développer ce genre. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir aussi... Il faut développer au fait un autre genre. En Algérie, on a beaucoup développé le cinéma d'auteur, ce qui n'est pas quelque chose de mauvais. Hein. Ouais. Mais je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à d'autres genres et qu'il y a le public pour ça. Exact. Moi, j'ai un frère qui a travaillé dans une vidéothèque et il me racontait que les gens qui venaient louer très souvent des cassettes vidéo, c'était surtout les films d'action et les films de guerre. Alors, juste une dernière question vous concernant. Vous m'avez parlé d'une préférence d'un genre, film d'action, mais c'était pour les arts martiaux. Alors moi, je suis un grand fan des films de Bruce Lee. Je suis vraiment un très très grand fan. Films d'arts martiaux Bruce Lee et puis Van Damme.
là. My friend, Mr. Boudreaux, Silver Star, Marine Force Recon. He's obviously not someone we should underestimate. Alors passer de Vandamme à Bouleila, c'est faire du grand écart à la Vandamme. Exactement, c'est faire vraiment du grand écart. Mais moi je me dis, je suis quelqu'un qui se laisse, guider par les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir, il me propose de tourner un film d'action, j'irai parce que je suis quelqu'un qui aime qui adore les aventures. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas rester dans un seul genre. Il faut toujours essayer de chercher d'autres projets, de chercher d'autres aventures pour pouvoir se développer encore et encore. Finalement, on a du mal à délimiter les frontières d'un bon film d'action, parce qu'il englobe tous les genres. Cela dit, les résultats au box-office de cette catégorie soulignent un engouement planétaire.